Coucou tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour un petit épisode de Tomodachi Life. Voilà, retrouvons-nous le temps de, on va dire, une petite vingtaine de minutes sur notre petite île Jordiland. Et il n'y a toujours pas de cœur, je suis désolée. Voilà, nous n'avons pour le moment pas de nouveau couple. Donc ça n'a pas l'air d'y avoir des embrouilles. Je ne sais même plus si j'avais présenté mes nouveaux habitants la dernière fois. Enfin bon, je sais plus. Désolée si je l'ai pas fait. Hein. Donc, Tintin, Océane. Bon, on va voir dans les nouveaux. Hein, il y a deux Océanes, d'accord. Bon, on va plutôt voir Tintin alors. Qu'est-ce qu'il veut, ce petit Tintin? Ça va être, ça se trouve, ouais, une demande d'amis ou. Meilleur ami Oriane, bah si tu te reconnais, voilà. Sosie de Jordana, c'est vous. Ton meilleur pote, c'est Tintin. J'aimerais présenter quelqu'un. K.L. Que pensez-vous d'Oriane? Bah voilà, sa meilleure amie, pourquoi pas, écoute. Quel sujet aborder pour les faire se rapprocher? Pour elle, je sais pas, moi, sans importance, hein. D'accord. Bon, vu qu'il est un petit peu trop intelligent, si vous voulez. Yes, yes, yes. Ah, je veux une photo. Oui. Bon, je sais pas si ça va bien se passer, mais ça a l'air. Normalement, tout se passe bien là. Non? Oui! Ouh, j'ai eu peur. J'ai eu un petit moment de flip là. Tintin a réussi, encore une fois. Ouais! Bravo Tintin! Grâce à vous, une nouvelle amitié est née. Ouais! Grâce à Tintin surtout. Voilà, voilà! Pour vous remercier. Alors, qu'est-ce que tu me donnes aujourd'hui? Une teinture pour cheveux! Merci! Allons voir les autres. Il n'y a toujours pas de cœur. Non, rien. Avoir un habit. On garde les deux Océanes pour après. Voilà. La petite Anabi avec son petit pilou-pilou. Ok. Je suis pas sûre de m'entendre. T'es sérieuse? T'es sérieuse? Mais Cassie, mais porte plainte. Oh là là. Non, mais Cassie. Anabi, pas Cassie quand même. Exagère pas. T'as certainement des atomes crochus. Je faire plus d'efforts, alors. On parle de Cassie, là. C'est pas n'importe qui. Je rigole, bien entendu, mais. Vaut mieux ne pas manger avant d'aller se coucher. Oui, ça, je confirme, oui. Non, mais s'il vous plaît, quoi. Ça aurait été Tintin, d'accord. Ça faisait tellement longtemps. Quelle joie de voir, enfin. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit qu'il voulait être mon ami. Mon Wook? Are you serious? Bon, de toute façon, je crois que normalement tu dois être mineur. si j'ai de la chance. si t'es mineur, il sortira pas avec toi. Mais on sait jamais. Alors, je vous préviens, moi, je veux sortir avec lui sur Tomodachi. Je ne veux plus être avec quelqu'un d'autre que lui. Voilà. C'est lui ou... De toute façon, ça doit être un coréen, c'est pas possible autrement. Voilà. Parce que déjà, dans la partie d'avant, je me suis tapé, je crois que c'était Joshua. Donc, merci bien, mais cette fois-ci, je veux vraiment quelqu'un que je veux. Je sais pas si c'est français, mais... Oh, s'il vous plaît. Pour le moment, je suis encore seule, là, comme... voilà, en train de lire un bouquin. La vie de célibataire, mais... Oh. Ah d'accord, toi tu fais un petit dodo. Petit dodo. T'es ? C'est trop drôle. C'est quoi ce truc? Je prends en photo, c'est trop énorme. On va s'éclater comme ça, hein. Écoutez, toute la vidéo je vais faire ça comme ça. Bon allez stop, j'arrête, c'est bon. Ça va vous saouler sinon. Peau de peinture? Bidon de peinture. Ah. Allez, dis-moi ce qui te tracasse. Je t'aime Enzo. D'accord. Je crois que toi et moi sommes totalement incompatibles. Oh, mais c'est la journée des gens incompatibles ou quoi? D'abord Cassie, ensuite Kat. Qu'est-ce que vous avez les filles?
Vous avez vraiment cette impression? Je devrais. Vous avez votre cycle ou comment ça se passe là? C'est la fin du mois, ça y est, on s'envoie. Bon, qu'est-ce que je lui donne? Un petit objet quand même. Ça t'évitera de dormir. Bah tiens, un CD pour mettre de la pop chez toi. Voilà, éclate-toi, danse. Voyons voir. Ouais! Bon, bah elle a directement invité Kat, donc ça s'annonce plutôt bien. Mon petit chagnol, Justine, oh, qui regarde en l'air, clair. Je viens de voir, attendez, que j'ai pas fait ma petite routine. Alors, article, chemise hawaïenne, ok, j'ai pas grand chose de nouveau, hein. De toute façon, c'était déjà sur l'autre truc, ok. Ça marche. Tomodachi Quest est disponible. Barbecue, oui. Alors attendez, ça, je vais me taper un délire, là. C'est barbecue. Est-ce que quelqu'un va cramer? Ça, il n'y a rien de plus tendre. Que quelqu'un crame, s'il vous plaît. Ça serait trop, trop drôle. Pour préserver le goût de la viande, il vaut mieux ne pas trop abuser des condiments. Vous cramez, oui! Oui! Oh, trop bien, il crame! Ouais! Miam, miam! Voilà, le truc très utile, t'es là juste pour souffler dans le micro. Tu les admires en train de bouffer alors toi t'as la dalle, limite. J'adore ce jeu! Article de saison. Nada, ok. Bon, de toute façon, j'ai tous les vêtements donc. C'est pas comme si, hein. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Ah, ok. Il y a quelqu'un qui est en train de faire son sport. Je vais le laisser dans les couples. Non, il n'y a pas de nouvelles. Bah, là non plus. Bon, bah, je pense qu'on est parti pour... Je pense qu'on est parti pour jouer avec les habitants. Je me gratte le cul devant Jonghyun, mais c'est quoi ça? S'il te plaît, arrête. T'appelles ça être classe? Regarde, il est désorienté, le pauvre. Il baisse la tête, il veut plus voir ça. Quel cauchemar. Non, mais je te jure. En plus, ça fait un peu ça. Enfin, bref. Alors, bon, je vais voir Chagnol, hein, mon petit voisin. Alors oui, je suis totalement gaga. Meilleur ami l'avez-vous Valentin, eh ben dis donc. De me voir, sosie de Jordana. Club de beaux gosses, hein. J'ai besoin d'un chapeau que je pourrais utiliser quand je fais du sport. Mm-hmm. Ben, je vais voir ce que j'ai en stock. Alors, attends. Je lui fous un bonnet rasta, mais... Oh, ça va lui aller trop, trop bien. Chapeau chinois. Oula, je connaissais pas ce truc. Oh, ça donne encore plus faim. Oh, autre forme. Ok. Ah non, en fin de compte, j'ai pas du tout tout débloqué vu que j'ai changé de console. Je sais pas. J'en sais rien, moi, il me quitte plus que je te donne. Casque anti-choc. C'est trop. C'est quoi ces trucs? Perruque dégarnie. C'était mon magistrat. Eh ben, écoute, je sais pas trop quoi te donner, en fait. Oh, qu'est-ce qui est compliqué? Pourquoi il veut un chapeau? Oh, écoute, je te donne rien, et puis voilà, zut. T'es très bien avec ta petite casquette multicolore. Et en plus, voilà, tu me trahis déjà, hein. C'est parfait. Oh, bah, il y a Oreo. Alors, Roman ou Jungkook? Bah tiens, on a vu du Jungkook tout à l'heure. On va voir un type Roman... Pas toujours les mêmes, quand même. Oui, je vous reconnais. C'est bien vous, sosie de Jordana. It's me. J'ai besoin de nouveaux vêtements. D'accord. On va te faire très très belle. Moi, je te verrai bien avec ce truc-là. C'est trop mignon. Vas-y, je me fais un petit kiff. Elle a une tête déjà super super cute. Ah ben voilà, elle kiffe en plus. Donc c'est très bien. C'est parfait tout ça. Alors, un petit objet. Bon, allez, je te passe un chat. Faut quand même que t'aies de la compagnie. Voilà, voilà. Tenez, pour vous remercier. Pendule d'hypnotiseur. Merci.
Maureen qui veut jouer, sinon qu'est-ce qui se passe là-haut? Bon, je vais aller jouer un peu, hein. Marre de régler les soucis tout le temps. Allez, qu'est-ce que tu vas me faire faire? Non! Non! Je porte plainte! Arrêtez de me faire ce jeu! Oh! Tout ça pour un bracelet minable! Tu y parles. J'ai la haine là, c'est bon. J'en dis pas un câble. C'est votre dernière chance, d'accord. Oui, ne me mets pas de ficelle, c'est tout ce que je te demande. J'y vais. Non, mais à ça près, quoi. Bon, j'ai loupé un bracelet, mon dieu, ma vie est terminée. Dommage. Revenez jouer c'est avec moi. Tellement, tellement dommage. Merci pour le PQ. Merci. Jonghyun ou Kat? On va voir Jonghyun, hein. Kat apparemment n'est pas super apprécié. J'aimerais bien jouer avec vous, sosie de Jordana. Fais-moi un autre truc super bien, s'il te plaît. Ça peut passer. Allez, retournez deux images pour former une paire. Ok. Ouf, chaud patate. Alors, ça c'est Jonghyun et une bague de fiançailles, ok. Un dé et Kiki. Ça commence très bien. Du jus, c'est ok. Oh mais Bibi, je vais faire que des erreurs ou quoi? C'est ok, bravo. Ah, c'est qui, elle était là. Bravo. Oh, après je sais plus. Le vert. Du jus de tomate. Mince. C'est moi. Mince, mince. C'est moi. C'était ça, bravo. Ok. Oh, le dé. Oh là là, bravo. Le coup de chance, le coup de chance, les amis. Une bague de fille. Bravo. Eh, j'ai cru que j'allais pas y arriver, honnêtement. Honnêtement, j'ai eu peur. Je me suis dit, mon dieu, le verre, il est où? Allez, le gros, je crois au pif. Ça va, un petit bouquet de fleurs, ça va, t'es romantique aujourd'hui. C'est très 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 bien. J'ai eu une discussion sur le sens de la vie avec Chagnol. Et la conclusion de cette discussion, puis-je la savoir? Parce que c'est bien beau, mais... À coup. Bon, on va voir Kat, allez. On va pas la faire attendre, la pauvre petite mémère. On y va, on y va. Avec moi. Jouons. Oh, tu veux ma mort, toi? Quiz point commun, question 1. Océane et Anabi aiment la même couleur. Mais qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Apparemment faux, j'en sais rien. J'en sais rien, mais je suis mis au pif. Quiz point commun, question 2. Tomoe et Jonghyun n'ont pas faim. Tomoe et Jonghyun n'ont pas faim. Non, faux. Je les nourris pas. Faux. Je les nourris pas, donc ça c'est simple. Quiz point commun, dernière question. Amadi et Emma sont très proches. J'en sais rien du tout. Faux. La réponse est... Je joue jamais. Faux. Voilà, je joue jamais. Ouh. C'est un avantage de ne jamais jouer, c'est qu'au final, ça aide dans les réponses. Bravo. Remerciez-moi de ne jamais jouer. Allez, maintenant on prend une tasse. Oh, trop mignon. Aujourd'hui, j'ai envie de ne rien faire. Eh ben, on est deux, cocotte. On est deux. Hein, qu'est-ce qui se passe là? Miss Juju, bah tiens, on va voir les petits nouveaux là. Miss Juju. Au passage. Oula. J'adore la coupe de cheveux. Oh, bon. Apparemment, t'aimes le rose. Je te trouve du pink. Non, j'avais qu'en couleur. Ok. Bon, eh ben, au pire, je te passe du bleu. Ça va bien compléter. Ça va, t'es satisfaite. C'est le principal, c'est que tu détestes pas. Tenez, pour vous remercier. Encore une pendule. Oh. Faut arrêter les gens, qu'est-ce que vous voulez me faire là? Alors Justine, elle est toujours avec ma femme? Oh mais dis donc. Oh, la traîtresse. On va voir Claire qui est toute seule. Elle doit être plus sympa. Bonjour, je suis Claire. J'aime faire les choses à D'accord, mourir. Encore une petite nouvelle que j'avais pas vue. C'est pas plus mal. J'ai besoin de nouveaux vêtements. Comme ça, je les découvre un peu.
Je sais même pas quoi offrir. Peut-être du violet, tiens, ouais. En fait, je mettrais ce genre de tenue sur mon mi, ça ferait super moche. Mais sur le mi de quelqu'un d'autre, des fois, regardez par exemple elle, ben ça rend mais super mignon. Saviez-vous qu'en langage des fleurs, la tulipe blanche représente un amour pur? Oh. Je vais envoyer des tulipes blanches à Johanna sur Animal Crossing. Vous lui dites rien. Alors, qu'est-ce qu'il va raconter lui? Et si on jouait un peu ensemble? Oui, bien sûr. Non, mais... Oh, j'en ai marre. C'est une télécommande, c'est quoi ce truc? C'est un secret, mais... Je me demande quel est le... D'accord, trop tard. J'ai voulu faire... Ok, bon, c'est pas... C'est votre dernière chance, d'accord? Vas-y, vas-y. J'y vais. Oups. Non! Non! De toute façon, j'y arriverai jamais. C'est pas bien grave. Dommage. Revenez jouer avec moi une autre fois. Avec plaisir. Ou pas. Merci pour les mouchoirs. Entre le PQ et les mouchoirs, moi je suis gâtée, hein, je vous le dis. J'ai de quoi me moucher. Bon allez, on n'est pas allé le voir tout à l'heure. On y va maintenant. Et je vous reconnais. C'est bien vous. Pourquoi je lui ai fait une voix trop féminine? C'est quoi cette voix que je lui ai faite? J'ai besoin de nouveaux vêtements. Non, ça je dis non. Non, je dégage. Tu n'auras pas de nouveaux vêtements. Oh, mon chéri! Vas-y, on va aller le voir. Je pense que c'est le chéri de pas mal de gens, de toute manière. J'aimerais bien jouer avec vous, sosie de Jordana. Mais par contre, je lui fais la voix dans le contraire. Hein. Je lui ferais vraiment la big voix... bien mal. Ok, encore ce truc. Pff, espérons que je fasse un peu moins de fautes. C'est Mook. Ok. C'est Cassie. Oh bah dis donc, Cassie, je te trouve du premier coup! Je suis trop fort! C'est Mook. Bravo. Aucune idée. C'est Justine. Ah merde, non, c'est non, Justine. C'est pas ça. C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça que je voulais faire. Bravo. La courde. C'est Justine. Ok, bravo. Super. Ça, c'est Dieu. Ça. Bravo. Ça va. J'ai fait un petit peu mieux que tout à l'heure, quand même. Bravo. Super. J'ai fait que 3 fautes. Bravo. Allez, cette fois-ci, on prend le milieu. Qu'est-ce que ça va être? Une couche jetable. Oh, mais merci. Tellement d'amour dans ce jeu, je vous jure. J'offrirai ça à mes parents pour Noël. Des couches jetables. Bon, je pense que après là, on a fait un petit peu tout le tour. Moi, je suis au téléphone en mode j'ai des amis, alors qu'en fait, non. Ok. Bon, je sais pas. D'ailleurs, si j'ai changé de console, je suis même pas sûre que j'ai encore mes chansons. Normalement, si. Ouais, j'ai encore mes chansons. Viens, mon secours, c'est quoi ça? Ah! Oh, j'ai envie de vous mettre ça pour le fun, allez, on est fou! C'est reparti, rejoignez-nous. On recommence tout. De nouvelles aventures. Ensemble, sur Jordiland. Venez nous ici. Écrivez avec nous. Une autre histoire. Direction Jordiland. Attends. Oh, ce que c'est beau! Tellement de beauté dans ces paroles, quoi! J'ai tellement bien écrit mes chansons. C'est magnifique. Bon. Alors, étant donné que j'ai plus grand-chose à montrer dans cet épisode, je vais vous laisser avec le petit flash info de fin, comme à mon habitude. Et du coup, je vous retrouverai pour des prochaines vidéos. Oui! Allez, bisous la compagnie! Merci de nous rejoindre pour l'édition de 3 heures des Infomi. On nous rapporte que les abords de la maison de Maureen ont été envahis de bœuf bourguignon. Le bœuf bourguignon a toujours fait partie du paysage de la région. Mais c'est la première fois qu'il y a une telle invasion, ce qui a pris les habitants au dépourvu. Écoutons les commentaires des passants.
Je n'arrive pas à croire qu'un truc pareil puisse arriver. Vous devriez être un peu plus enthousiaste. Merci de votre attention. Les infomies de 3 heures vous ont été présentées par le Hamstené. Tu as aimé la vidéo? Tu peux retrouver toutes les autres en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi suivre mon actualité en me suivant sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ah, ne clique pas sur les boutons. Ce sont des faux.